Les Open du Rire de Rire et Chanson. Bonsoir Paris. Non, je sais, hein, la plupart des humoristes rentrent sur une musique plutôt péchue avec des effets lumineux un peu partout. Bon. Oh, j'estime que je me suffis. Ça va? Ben, chauffer le public, c'est fait. Ouais, mon spectacle s'appelle Parfait Modeste. Je vous rassure, ce n'est qu'un titre à la base, je voulais appeler ça Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite. On a gardé Parfait Modeste puisqu'au fond, ça veut dire la même chose. Alors, je m'appelle G, hein, ce n'est pas mon vrai prénom, c'est un surnom que m'ont donné les femmes, point. Et avant de continuer mon passage, je voulais vous avertir, il n'y aura pas de noir durant mon sketch, parce que je voudrais pas que vous me ratiez quelques secondes. Je n'ai rien contre les noirs, hein, mon meilleur ami est noir. Donc, n'empêche, les noirs, entre nous, hein, ils se plaignent de l'esclavage et tu les vois en salle de sport, tranquilles, sur des rameurs. Alors, dis, c'est de la nostalgie ou quoi? Donc, pas de noir. Après, je tiens quand même à remercier ma première partie, Elodie, qui a fait un travail formidable, puisque première partie, ça n'est jamais évident, hein, vous savez. Première partie, c'est comme quand vous allez dans un grand restaurant, vous commandez un plat dont vous avez très envie. Bonsoir. Et pour vous faire patienter, on vous rapporte un petit pot de cacahuètes un peu dégueu. Sorte d'amuse-gueule. Hein. Elle s'amuse, vous faites la gueule, bon. Ainsi. Sorte de préliminaire avant l'amour, voilà. Ouais, pas vraiment, non. Bah, c'est souvent la même personne qui reste au préliminaire et pendant l'amour. Hein. C'est quand même rare que la personne fasse « C'est bon, Jean-Louis, c'est chaud, tu peux y aller okay. !» C'est rare. Vous savez, première partie, on est souvent au bon endroit, au mauvais moment. On est comme un tampon, finalement. Bah, je sais de quoi je parle. Moi, j'étais première partie de Danny Boone. Alors, à Dunkerque, les gens ne m'attendaient pas. Ils étaient là « Gagny, Gagny !» Ah, j'ai fait des soirées ENA à Dunkerque. Hein, et... bah, ils arrivaient à toucher le membre opposé. Donc, voilà. Et à la fin de cette première partie, je me souviens qu'une dame était venue me voir. Elle était... ouais, dégueulasse. Moche. C'est-à-dire que si les contraires s'attirent, j'avais l'élu. Oh, elle était laide. Hein. Je l'aurais pas touchée même avec un bâton, c'est vous dire. Elle avait des varices sur le front. Merde. J'avais envie de lui jeter de la viande. Bref. Elle m'a dit comme ça, « Alors, ça fait longtemps que vous faites ça des premières parties ?» Oula, après avoir saigné de l'oreille, je lui ai répondu, pour déconner, « Non, j'ai commencé ce matin. » « Ah, vous pourriez me faire avaler n'importe quoi. » Et c'était vrai. C'était vrai. Ma mère portait un stérilet lors de ma conception... Une transition ? Pourquoi faire ? Ma mère portait donc un stérilet lors de ma conception, ce qui fait que je suis né avec un appareil dentaire et... Mon enfance a été assez difficile puisque je suis né dans le Nord. Le Nord, c'est dur, hein. C'est dégueu. Dégueu en deux mots. Ouais, le Nord, c'est comme Paris 18e, quoi. Voilà. Pas l'arrondissement, le siècle. Hein. Oh, puis le froid. Dans le Nord, on n'a que des pizzas deux saisons. C'est là-haut qu'a été tourné l'âge de glace au mois de mai. Bon, après, tous nos vieux ont survécu à la canicule. Hein. Ben, normal, hein. Rares sont ceux qui atteignent la cinquantaine hein, dans le Nord. Ben, c'est pour ça qu'on fait nos enfants à 15 ans. Avec des membres de notre famille, c'est plus pratique, évidemment. Quoi? Ben, ça donne des arbres généalogiques hyper originaux. Papi, Tata, Dylan, Brandon, Evan. Ah, ça, c'est la faute à notre moyen de contraception principal. On a un moyen de contraception dans le Nord, l'accent. Ah bah, c'est sûr, quand on dit « Eh, dis donc, je me ferais bien tatu !» Ça donne pas envie, hein. On est quand même la seule région de France à être sous-titrée aux journaux télévisés. Le Nord, c'est aussi le pays des petites voitures sans permis. Ah, boire ou conduire, on s'est adapté.
On les a même décorés, nos voitures sans permis. Ouais. On met une petite flamme sur la portière, un aileron à l'arrière, un autocollant « Merci Jackie et Michel » à l'avant. Customiser une voiture sans permis, c'est comme maquiller une moche. Aussi, elle reste moche, mais elle a une tête plus rigolote. Le Nord, c'est aussi une situation économique de rêve. Tenez-vous bien, on représente 95% de la télé-réalité. Confessions intimes, c'est nous. Les ch'tis à Mykonos, c'est nous. Bon, il y a la moitié de ma famille qui est passée dans Confessions intimes, justement. L'autre moitié d'en fait entrer l'accusé. Il n'y a que mon père qui n'est pas passé à Confessions intimes ni de fait entrer l'accusé. Lui, il est passé en direct, à 13h, journal télévisé. Le taux d'alcoolémie le plus élevé en France. C'est lui, il était que 13h. Il était là. Alors, ben revenez ce soir à 20h, je vais encore augmenter. Oui, mon père prenait l'accent belge pour ne pas payer d'impôts. Ma mère, elle, était au chômage. De toute façon, il faut savoir qu'il y a trois corps de métier dans le Nord. La mine, le chômage et l'alcoolisme. Maman cumulait deux emplois. Et elle s'occupait du coron dans lequel nous vivions, puisqu'on vivait dans un coron. Hein. Un coron, c'est une grotte qui aurait la taille d'un chiotte. Vous voyez, voilà. Avec les murs en torchis. D'ailleurs, si vous demandez à l'origine du nom torchis, demandez-vous à quoi servaient les murs. Ouais, je cherchais. Ouais. Voilà, on n'était pas très nombreux dans ce coron. Hein. Mes parents ont eu trois enfants, un chef-d'œuvre et deux brouillons. Et mon frère et ma sœur s'engueulaient énormément à l'époque. D'ailleurs, ils s'engueulent toujours, ils vont certainement divorcer. Ouais. Moi, j'étais au-dessus de tout ça. Ouais. Moi, vous savez, dans le Nord, je me sentais pas trop à ma place. J'étais comme un musulman à la fête de la saucisse. Qu'est-ce que je fous là? Donc j'ai décidé de descendre à Paris et pour ça, j'ai pris un Blablacar. Alors, j'aurais pu prendre le train. J'aurais pu prendre le train, mais avec les prix des billets, j'ai l'impression de me prendre un wagon dans le cul. Disons qu'à l'époque, j'étais pas encore assez ouvert. Maintenant, ça fait 3 mois que je joue dans le Marais, je fais 2 allers-retours par jour. Bon. Donc, je vais vous expliquer mon arrivée parisienne en Blablacar. Avant, accrochez-vous à vos culottes, je vais enlever ma veste. Je préfère prévenir. Ouais, je sais, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh mon Dieu, cet avant-bras. Oh, c'est pas vrai, il en a deux. Ah, c'est pas Jamel Debbouze qui nous l'aurait faite, celle-là. Donc arrivé à Paris en Blablacar, j'avais postulé, moi, comme je suis dans le don, hein, voilà, je me dis, je vais offrir ma présence à une personne qui va conduire, et j'ai choisi Eustache. Je trouvais le prénom original, son haleine l'était aussi. Eustache, un nom de chat pour un gars qui sent la litière, en gros. Le mec puait de la gueule, mais de manière industrielle. C'est-à-dire qu'une usine de soufre à côté, c'est un fébraise. Il te décollait du papier peint d'un souffle. Voilà. Et il n'a pas prévenu. Il aurait pu mettre « Je m'appelle Eustache, je conduis très bien, par contre je pue. » Eh ben non, il a mis « Eustache, professeur de latin, non-fumeur, blablabla. » Blablabla, ça veut dire qu'il parle beaucoup. Il aurait pu mettre « Schling, schling, schling. » C'est pareil. Il y a un commentaire qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, hein, sous la photo de profil d'Eustache, c'était « Professeur de latin, de point, une langue morte. » J'avais pas vu. Donc, je me pointe sur le lieu de rendez-vous, j'ouvre la portière de Stache. Oula. L'odeur m'a décollé une lentille. J'ai vérifié sous mes pompes si j'avais pas marché dans la merde. Bon. Je me suis dit, bon, Stache a peut-être lâché une petite perlouse, après tout. C'est sa voiture. Bon. D'ailleurs, c'était soit Stache, soit le passager à l'arrière. Il y avait un passager à l'arrière. Je l'ai reconnu à sa rougeur, il était dunkerquois. Et le mec... À cause de l'odeur, il était dans son cache-nez, les yeux rougis, les narines sèches, et il essayait de communiquer. « Fais gaffe, il pue de la gueule! Fais gaffe, il pue de la gueule !» Je me dis, bon, ce Dunkerquois a dû boire de l'eau, il fait une crise. C'est pas grave. Je m'installe à côté d'Eustache, et je ne sais pas encore que le furet est dans sa bouche. Alors naïvement, je le remercie. « Merci Eustache pour le trajet. » »« Oh, y a pas de quoi !» Là, j'étais désorienté. Hein. On aurait dit un épileptique chez des iguales. Eh ben,
Bizarrement, croyez-le ou non, quand vous recevez une odeur nouvelle, même si elle est dégueulasse, vous êtes curieux. Du coup, vous reprenez un sniff. Mais dis-moi, je veux être sûr. Dis-moi, Eustache, en 2 heures, on fera peut-être une pause. Ouais, si tu veux. L'autre dans le rétro me dit arrête. Et blablabla, bla, bla, hein, il avait précisé, Eustache. Il a pas menti, hein. Blablabla, bla, bla, toi t'es là. Ah. Oh. Vous savez, dans les moments de douleur, il faut se référer à quelque chose de beau. Je ne trouvais même pas mon reflet dans la voiture. Et l'autre, Eustache, il me parle, je me dis, c'est pas possible, le mec est à l'envers. C'est obligé. Mais il me l'a dit sur la route, oh, ce matin, je me suis levé la tête dans le cul. Oui, manifestement, oui. Non, mais c'est soit ça, soit une inversion entre la trachée et le côlon, enfin bref. Non, mais pour vous dire, le niveau d'odeur, à un moment, le mec a postillonné, puch, impact sur le pare-brise. Le mec de chez Carglass est arrivé, il a pas mis la résine, il a fait payer la franchise. Bon, je vous dis. Au bout d'une heure, Dunkerque, pouf, coma, boum. Et ben Eustache a la bonne idée de me dire au bord des narines, je crois qu'il dort. Ne t'approche plus jamais de mon visage. À l'odeur, je me suis dit, putain, le mec visite une ferme, il fait dégueuler un porc. Heureusement, nous arrêtons, on a le temps de prendre l'air. Même les oiseaux dessus nous perdaient l'altitude. Hein. Ah. L'autre Eustache, il était tranquille, hein, il était en train de faire faner un rosier. Pour vous dire, hein, même ses dents voulaient sortir de sa bouche. Bon. Moi, j'étais parti en station-service. J'ai acheté tic-tac, chewing-gum, tout ce qui pouvait sentir bon. Il a mâché le bazar. Ça va, madame ? Il a mâché le bazar. Eh ben, ça avait l'odeur d'un petit prout après un suppo. Au bout de 5 minutes, Eustache m'annonce la pire nouvelle de ma vie. Allez, en route ! Non, non. J'étais dans les toilettes de l'autoroute. L'air ne m'avait jamais paru aussi pur. Il y avait des mouches avec des panneaux « Bon courage ». Je me suis vu dans le miroir et je me suis dit « Putain, si j'étais pas drôle, je serais que beau ». Bref. Pour me donner du courage. Et en guise d'instinct de survie, j'ai pris une grande inspiration avant de reprendre la voiture. 2 petites pastilles bleues dans le chiotte. Allez, tant pis, tuche. Je les mets dans les narines et on... Allez, c'est parti, Eustache. Roule. Me parle pas, roule. Je me suis dit, bon, si je souffle tout doucement, je peux battre le record de Jacques Magnol, je vais rester en apnée. Sauf que du coin de l'œil, je vois que Eustache se prend en jeu. Il me lançait des relents, tu vois. À un moment, il m'a fait fondre une pastille, l'enculé. Elle s'est logée dans ma glotte, et là, je suis parti dans un rêve de fond d'évier. Et au moment où je me suis réveillé à Paris, c'était Eustache qui me faisait du bouche à bouche. Bah là, je me suis dit un truc. En fait, un mec qui pue de la gueule, on en connaît tous un. Si vous n'en connaissez pas, c'est que c'est vous. Des open de rire et chansons.